Loïc, bonjour, bienvenue en Sarthe. Alors, tu es chez nous, sur notre exploitation. On produit donc des grandes cultures, orge, blé, colza, févrole et un peu de maïs, pour produire, pour nourrir nos volailles, qui sont des volailles labellisées volailles de louée. On a plusieurs bâtiments de 400 mètres carrés où on met environ 4000 poulets par bâtiment, trois fois par an. Et là, donc cette semaine, c'est départ des volailles et nettoyage, lavage, curage. Et après ça, donc on va chauler, désinfecter et chauler. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de curer et en même temps, on épand avant maïs avec l'épandeur Perard. Équipé d'une table d'épandage où on épand environ 10 tonnes à l'hectare. Du bâtiment préalablement nettoyé, donc il reste plus qu'à balayer proprement et avant le chaulage et la désinfection. Donc c'est la chaîne d'alimentation pour les volailles, donc qui doit être descendue, hein, naturellement. Là c'est pour être plus pratique, la ligne d'eau qui est juste à côté, les lignes de radiant qui sont normalement au milieu, donc pour le chauffage en début de l'eau, et puis donc vous avez les accès à l'extérieur vu que c'est des volailles en liberté. On a un certain nombre de trappes qui sont ouvertes à la levée du jour et jusqu'au coucher du soleil. Donc volailles de liberté en liberté, donc comme tu peux le voir, c'est un parc de 2 hectares, non clôturé, très bien arboré, avec les trappes que je te montrais tout à l'heure pour l'accès à l'extérieur, vraiment en liberté. La journée est bien avancée, on a fini, il ne nous restera plus qu'à chauler, désinfecter. Je t'emmène là sur un autre site, on a des poussins qui viennent d'arriver et on a un autre bâtiment où il y a des poulets qui vont être sur le point de sortir à moitié de leur vie. Voilà,